Vous savez les amis, je vais avoir 20 ans cette année et j'aimerais bien revenir sur quelques points de ma jeunesse. Mais pas la jeunesse que tous les jeunes de mon âge pouvaient avoir. Mais non, je vais bien sûr parler de mon enfance de gros geek. Soyons honnêtes, j'ai eu une enfance plutôt normale comparée à vous. Mais par exemple, à mon âge, être geek c'était pas forcément bien vu. Imaginez que l'ordinateur tombe en panne en classe. Qui est-ce qu'on appelle? C'est Bibi! Voilà, c'est réglé! Mais comment t'as fait exactement? Bah, juste appuyé sur le bouton de l'écran. Hein. Qu'est-ce que ça pouvait être drôle, un professeur qui ne s'en sortait pas avec son matériel. Il faut savoir qu'il y a des choses que certains d'entre vous ne connaissent pas. Par exemple, en CM2, j'avais un ordinateur au fond de la classe, mais on y avait accès uniquement une fois la série d'exercices terminée. C'était souvent la course avec les autres élèves. Et si vous saviez, le seul jeu disponible sur cet ordinateur était un jeu de mathématiques. Mais on s'en foutait! On est arrivé premier! Il y a une question que j'aimerais vous poser. À quel âge avez-vous eu votre premier portable? Personnellement, moi je l'ai eu à 11 ans. Et à l'époque, on s'en servait réellement qu'en cas d'urgence. Et vous savez pourquoi? À l'époque, on n'avait pas d'internet et les SMS n'étaient pas illimités. Un SMS à 5 centimes? Autant dire que les amis, il valait mieux oublier. Calculons, imaginons que nous envoyions 3000 SMS par mois à 5 centimes chacun. Ça fait quand même une facture de 150 euros. Attends, explique-moi cette facture de 100 euros sur ton portable! Non. J'ai juste envoyé des SMS à mes amis. Ne mens pas! Où tu vas la prendre, cette claque? Oh, impossible! Je vous avais dit. Fallait mieux oublier les amis. Et quand on y pense, le portable il servait pas non plus à jouer, hein. Bon, si, j'avoue. Mais comparé à maintenant, il n'y avait pas de smartphone. Donc à l'époque, c'était soit Doodle Jump, ou pour les plus vieux, il y avait encore Snake. Ah, sacrée époque, hein. Tu pouvais passer un temps infini aux toilettes, tes parents ne comprenaient pas pourquoi. Maintenant, quand tu vas avec ton portable, et que tu sais que t'as Facebook, Twitter, Netflix et autres, tu sais que tu vas y passer quelques heures. En tout cas, sachez qu'il me reste quelques secondes avant de partir aux toilettes. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bon, un petit épisode de Netflix. Sacré épisode de cette série. Putain, vous êtes encore là et vous pouvez pas me laisser tranquille, je suis quand même aux toilettes. Hein. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et un petit like. Ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je vous dis à la prochaine. Allez, like. Like, je t'ai dit. Like. Moi, je vais regarder un autre épisode. Hein.